C'est toi qui aimes les femmes, c'est toi qui aimes l'argent, ça ne peut pas marcher. Les femmes aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut entretenir. Il est radin. Je ne suis même pas sûre qu'il peut donner ça en roi à une femme. N'en parlons plus d'acheter un cadeau. Ça ne peut pas exister, je ne pense pas. Il est le genre, si tu veux un kilo de riz, il t'achète le kilo de riz ou les pâtes, il te fait les courses de 5 euros. C'est comme ça. Non. S'il te plaît, donne-moi la bouteille de sirop là. S'il te plaît, je profite comme tu es debout. Ouvre, prudence. S'il te plaît. Est-ce que tu sais t'occuper des malades? Ouvre, s'il te plaît. Normalement, un enfant doit s'occuper de sa mère. C'est que en France, jusqu'à ce que l'enfant ait une situation, c'est les parents qui s'occupent des enfants. Le logement, c'est d'enlever l'argent de poche. Waouh! Bah, c'est écrit dans la loi. Hein. Et tu vas alors me poursuivre en justice? Bah, je peux, le roi et toi, je peux vous poursuivre. C'est la loi qui dit ça, c'est pas moi. Je sais que la loi l'exige. C'est pour cela, quand il y a une maman qui se plaint auprès de la justice, que le papa ne s'occupe pas des enfants, on saisit le compte de l'homme. Hein. Souvent, l'État saisit le compte de l'homme. De force, tu donnes l'argent. Hein. Donc, quand même, tu bouffes le piment. Hein. Moi, je mange plus de piment. Je mange un peu. Mais parfois, ça me manque. Je le sens dans ces mots et ça se lit. Bon appétit. Bon appétit, prudence. Le Congo, ça dit quoi? Bonjour, bonjour, bonjour les abonnés. Les fausses copines, Valérie Bissard de Bruxelles. Les fausses copines qui font les coups bas. Pour lui prouver mon amour, je lui ai donné toute ma confiance, mon espoir et mon cœur. Le jour que ma mère a connu Georges, elle m'a dit, ma chère fille, je te vois trop amoureuse, mais fais attention avec ton Georges. Je ne le vois pas si sérieux, ma fille, je le vois surtout comme bas.
bonne semaine à tous. Je le sens dans ses mots et ça se lit dans ses yeux. Pas son âme. J'ai vu les problèmes avec ma mère. J'ai vu les problèmes avec mes frères. Bonne semaine à tous. Les fausses copines. J'ai abandonné ma famille. Je suis partie de chez tout. Je suis allée vivre avec mon chéri et pour lui prouver mon amour. Je lui ai donné toute ma confiance, mon espoir et mon cœur. J'ai téléphoné le bonheur. Son numéro répondait. Le salopard. Son numéro au répondeur. Sentimentale, l'impression. J'ai appelé ma maman née, l'homme que j'aimais m'a quitté. J'ai téléphoné mon bébé, son numéro au répondeur. J'ai téléphoné mon petit carré, son numéro au répondeur. J'ai eu le salut sentimental, la nuit pas bien sentimentale. Je demande pardon, Agnawame, il m'a menti, Agnawame. Salopard. Et là, c'est mon frère.
J'ai appuyé sans faire exprès. Bon. Bonne semaine à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bon, je vais un peu bien. Je vais mieux. Par rapport à hier. Association, vous venez en privé. J'ai créé une association d'Invo Amour. Je sais qu'il y a d'autres associations d'Invo Amour, mais si vous voulez intégrer une autre association, l'Andolèche de Metête a créé une association d'Invo Amour. Voilà. Si vous êtes intégré, nous voulons des personnes humbles, loyales, aimables, sincères. Voilà. Et on est en famille. Là-bas, on est en famille. Voilà. Comment est-ce que vous allez? Partageons la fin de vous pour ça. Je suis un peu plus de temps.
Donc vous n'allez rien voir, même si vous zoomez, vous allez voir que du noir, mais je vous préviens, c'est un screen noir. On danse d'abord, on va faire le congosa. Moi j'ai fini ma journée, donc voilà. Courage à ceux qui sont encore au boulot ou ceux qui partent au boulot, et courage à ceux qui sont sur le lit d'hôpital, qui souffrent. Je vous souhaite bon rétablissement, je vous prie. Oh, ma fauchou, ma copine chou, je confirme ma présence le 2 novembre. Ça va barder. Je serai bel et bien là avec mon équipe. Le 2 novembre, voilà. Je serai avec tes fans et mes fans qui t'aiment bien. Le 2 novembre 2024. Voilà. Je serai bel et bien là. Je confirme ma présence. Voilà. À partir... De cet instant, je veux te contacter tout à l'heure. Toute contente. Merci beaucoup, c'est gentil. Toi aussi, hein, tu es très belle. Très belle, ma fauchou. Je ne sais même pas pourquoi on se querellait même. On avait même quel problème. Juste, le vrai problème, c'était seulement le Congo, ça. Hein, on ne sait, il y a un mot pas, comme ami. Je crois que... Hein, je veux dire la vérité, ma fauchou. Quand tu me clashais, j'aimais venir te déranger. Parce que j'aimais ça. Tu es mignonne. Que personne ne te trompe. Hein. Sans jalousie, c'est pas parce que j'étais en clash avec toi. Sans jalousie, tu es mignonne. Tu es mignonne et tu es propre. Tu prends soin de ton corps. Et tu n'es pas comme bordel zomobem. Donc, quand tu me clashais là, il y a deux personnes. J'aime quand ils me clashent sur Facebook. Il y a toi et à Lolo. Pour vous dire vrai, parce que Lolo est mignonne, elle est classe, elle est propre, c'est ça. Mais quand tu vois une personne crasseuse comme Zomo Bordel, elle vient, ça m'énerve, ça m'écoeure. Ma fauchou, je serai là le 2 novembre avec un look très, très, très gras. C'est-à-dire que le look là, oh, le look là, j'aurai un look compliqué avec les choses compliquées. Voilà. Le 2 novembre, je demande à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui aiment la culture camerounaise, d'aller encourager notre compatriote, notre sœur, notre consœur, Fleur de Lille, qui a son événement le 2 novembre. C'est maintenant ou jamais. Vous pouvez déjà réserver vos hôtels, vos billets d'avion, vos billets de train. Vous pouvez tout réserver, même la table, tout est permis. Il ne reste que novembre, janvier, février, mars, avril. Nous sommes combien? Et juillet,
août, septembre, octobre, il ne reste que 3 mois et demi. Donc, vous aviez 3 mois et demi pour être à jour, appeler Fleur de Lys, encourager-la. La jalousie ne paye pas. Ça ne paye pas, oh, ça ne paye pas, non. Saute, calme-les. Valérie, quand quelque chose est bien fait, il faut encourager. C'est ça qui tue le Cameroun. C'est ça qui tue la culture camerounaise. Dans des villes, il y a ce qu'on appelle la polémique. Le Congo s'assuit des organisateurs et des promoteurs culturels. Les gens se transforment en clans et parfois décident de bouder et de saboter les soirées des unes et des autres. Franchement, nous sommes à la chasse, chers frères. Si quelqu'un ne vient pas à ton événement, ne part pas à son événement. Mais ne sabote pas son événement. Vous savez, la vie, c'est le njangui. La vie, c'est la cotisation. Tu viens chez moi, je viens chez toi. Je peux comprendre des promoteurs culturels qui ne partent pas dans des soirées des gens, qui ne participent à aucun truc de la ville, ils ne viennent pas au veiller. Je peux comprendre que quand vous faites une soirée, les gens vous boudent. Mais les gens qui sont ils sont gentils, ils sont aimables, parfois vous les boudez. Pourquoi? Vous tuez la culture camerounaise. Il ne faut pas tuer la culture camerounaise. Apprenez à écouter les musiques camerounaises. Vous allez découvrir que les Camerounais chantent 10 000 fois mieux que beaucoup que vous croyez qui sont meilleurs. Quand vous écoutez Sergio Polo, quand vous écoutez Petit Pays, Longue Longue, Samy Diko, Erico, je ne cite que ceux-là du côté Douala, je cite Jackie King, et ils sont tellement nombreux. Quand vous atterrissez à Yaoundé, vous aviez Lady Ponce, Majoyi, Coco Agenté, Valérie Amougou, Coquette Bizot, Martine La Fortune. Vous aviez plein d'artistes qui chantaient bien, mais vous ne leur donnez pas l'occasion d'écouter leurs chansons. Vous invitez peu de personnes, que celles qui sont connues et ceux qui sont connus dans des soirées. Non, c'est pas ça militer la culture, c'est pas ça promouvoir la culture. Chers frères et sœurs, vous qui organisez les soirées, apprenez à inviter les non-nems. Comme moi, comme ça, tu m'appelles, tu me dis, alors, de la fille, j'ai une soirée, je veux te mettre dans l'affiche, pardon, respecte-moi. Si tu dis que tu me donnes mes 1500 ou mes 1100, donne-les-moi. Si tu dis que tu me loges dans une chambre d'hôtel, pardon, loge-moi. Parce que vous, les promoteurs culturels, non seulement quand vous voyez une belle chanteuse qui n'a pas de nom, moi j'ai vécu ça, on me proposait le canapé. C'est-à-dire que si tu veux qu'on te mette dans une affiche, il faut que j'écarte la chatte. Je veux dire les mots tels qu'ils sont. Non, vous devez militer pour l'évolution, la culture camerounaise. L'autre jour, j'ai été choquée. J'ai pris un ish. C'était quoi? Un ish ou un Uber? Entre les deux. C'était un Congolais. Il est venu. Il nous a salués. Quand nous sommes montés dans sa voiture, il n'écoutait que la musique du Congo. Et on a fait 1 heure de route. Au bout du chemin, la personne avec qui j'étais lui a dit, nous sommes du Cameroun, peux-tu nous mettre une musique du Cameroun? Chose étonnante, le mec ne connaissait aucun musicien camerounais. Vous le saviez? Le mec ne connaissait aucun, il nous a carrément dit sans se gêner. Et il n'a même pas demandé notre téléphone pour nous mettre à l'aise, que vous pouvez alors mettre la musique, vous pouvez vous connecter à mon téléphone, vous mettez. Il était catégorique, il n'a qu'à écouter. Les Camerounais, vous détestez la musique camerounaise parce que vous mettez devant la musique d'ailleurs. Je suis désolée, je veux vous le dire ainsi. Après une semaine, j'ai encore pris un Ivoirien. Lui au moins, quand il nous porte, il nous demande, nous venons d'où, nous disons, nous sommes la belle famille. Bon, c'est la personne qui a répondu, parce que moi, je ne suis pas parenté Eto. Je ne suis pas la belle famille des Ivoiriens. Si Eto me demande, je donne. Donc, du coup,
Il a dit, ah oui, à l'époque, j'écoutais la musique camerounaise. J'écoutais Collé la Petite. Après, il a cité deux chansons. J'ai dit, ah, au moins. Vous imaginez, au moins il a cité, demandez à un Camerounais combien de les musiques de la Côte d'Ivoire. Je vois dans des cérémonies traditionnelles, les mariages camerounais, on ne nous met que les musiques d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, Congo. Et vous allez dire que vous êtes fiers d'être Camerounais. Vous êtes fiers d'être Camerounais dans quoi? Vous êtes fiers d'être Camerounais dans quoi? Vous passez le temps à dire que les chanteurs camerounais ne chantent rien. Vous connaissez quoi de la musique? Asseyez-vous et écoutez la musique camerounaise. Vous allez découvrir les merveilles du Cameroun. Il y a Prince Dedi et Yango qui chantent très bien. Je ne peux même... Ils sont tellement nombreux. Les musiciens camerounais sont mal entourés, mal aimés par le public camerounais. Oui, parce que vous ne valorisez pas la musique camerounaise. Quand vous faites les Snapchat, quand vous faites les TikTok, il y a seulement les musiques d'ailleurs. Pourquoi? Si tu fais un Snapchat en mettant ma musique, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Si tu fais un Snapchat en écoutant Coco Ajanté, Lady Ponce, Majoie et les autres, ça va changer quoi dans ta vie? Mais vous préférez les gens d'ailleurs. Hein? Je vous maudis. Je vous maudis. Je vous maudis. Apprenez à valoriser la musique camerounaise. Quand vous faites les entrées de mariage, les anniversaires, valorisez vos musiques. Valorisez. Les musiciens camerounais sont en pleurs. Non seulement on est mal payé musicalement, on n'a pas les droits de terre comme il faut, et vous-même, le public, vous nous jetez dans l'eau. On va alors aller vivre où? Hein? Il y a des promoteurs de soirées en Europe. Valérie Amourou, je veux que tu viennes à ma soirée, mais il faut d'abord me donner. Donner que c'est pour tout le monde. Il y a des nourritures que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de manger ça. C'est comme ça qu'ils demandent les fesses aux jeunes artistes. Dès qu'elle entend comme un Koulounam. Nkulunama passait le temps à mentir les jeunes artistes qui voulaient chanter. Oh, viens, je vais te faire devenir comme Katino. Si Katino est devenue comme ça, c'est moi qui a fait qu'elle devienne comme ça. Parce qu'il avait produit Katino auparavant à l'époque. Et il a profité de cette étiquette-là. Il y a plein de promoteurs. Viens, si tu vois Lady Ponce comme ça, c'est moi qui fais que Lady Ponce soit comme ça. Non. Vous êtes que... Quand quelqu'un est dans les débuts, vous le négligez, vous le découragez même. C'est quand la musique décolle et que c'est là que vous venez profiter que vous êtes déjà les managers. Qui soutient l'artiste au début de sa carrière? Ils sont peu qui soutiennent des artistes camerounais au début de leur carrière. La plupart des temps, si vous ne demandez pas leur fesse, vous les sabotez. Soutenez la culture camerounaise. Allez dans les soirées camerounaises. Et vous, les DJ, mettez-nous les musiques camerounaises quand il s'agit d'une soirée camerounaise. Arrêtez de nous mettre le coupé décalé. Arrêtez de nous mettre le ndombolo. Vous n'allez jamais aller dans une fête congolaise et vous allez voir qu'on a mis une musique camerounaise. Vous le saviez? Hein? Vous n'allez jamais aller dans une fête ivoirienne, vous pouvez qu'on a fait une entrée de mariée avec la musique camerounaise. Je suis désolée, je vous le dis. Mais vous êtes que dans vos mariages. Vous êtes là. On dit quoi le truc là? Coup de matin. Vous allez faire les coups de marteau dans les chambres. Je déteste cette habitude-là. C'est pour cela, même quand tu prends même dans les cabarets au Cameroun, tu arrives dans un cabaret 100%, on te dit que 100% Bikutsi, tu vois un gaillard qui vient là, il prend le micro, Zalina Zambé, Seigneur, pourquoi tu as maudit le peuple camerounais et pourquoi tu as maudit le Cameroun et tous ses enfants? Pourquoi tu nous as créés comme ça? On continue. Bipez les voisins.
N'oubliez pas le 2 novembre, allez soutenir Fleur de Lille. Mes fans, mes abonnés, mes fanos, quoi que je vous lave, je vous aime. Je veux lire les commentaires. Oh, ma mère. Tu payes même ton argent, il pense que c'est la pauvreté d'esprit. Je dis que moi j'ai posé la question au Cameroun, à un communicateur au Cameroun, que quand nous, les jeunes artistes, nous venons demander la promotion dans vos chaînes, vous nous sortez une liste pour payer. Les musiques d'ailleurs que vous jouez là, est-ce que ces musiciens-là vous payent? Est-ce que ces musiciens-là même vous farotent? Hein? Et ils sont que quand tu lui vois, tu donnes. Tu le vois en bas, tu donnes. Mais quand tu vas dans sa radio, il te dit qu'il faut payer si tu veux que je joue des chansons. Et même quand tu payes, ils essaient de jouer quand tu es encore au Cameroun. Prends un peu l'avion. Mais je félicite Coco Agenté, qui était Mbengis et qui a eu le succès à partir du Cameroun. Pour être Mbengis et aller avoir le succès au Cameroun, c'est très compliqué. Vous-même, vous faites l'expérience, la majorité des musiciens camerounais qui se sont évadés du Cameroun, qui sont installés en Europe, est-ce qu'ils ont encore le succès? Posez les questions. Ils ont le succès. Il y a aussi Jackie King qui a la chance. Il a revu le succès avec sa chanson là, dernièrement là. Le reste là, c'est Tchakala Boubé. Disons-nous les vérités vivantes. Parce que quand tu n'es pas sur place, qui fait les efforts de faire la promotion de ton disque si toi-même tu n'es pas là? Même soi-disant les managers et tous ces gens-là qu'on prend les kralala là, derrière, ils ne mentent. Quand tu finis d'envoyer l'argent pour faire la promotion, le connard va s'asseoir, il boit avec les bordels au bar et il baisse à l'hôtel. Excusez-moi du terme, je suis vulgaire. Vous ignorez quoi? Fleur de Lille, ta soirée est 100% camerounaise. Pardon. Demande à ton DJ que tu vas prendre que les Camerounais doivent jouer, danser que la musique camerounaise. Qu'on nous laisse les Fali et les Kofi à côté. Qu'on nous laisse les Fali et les Kofi à côté. Les gens qui sont fans de Fali, ils n'ont qu'à aller dans ces concerts, aller dans ces Fali. Là, ça serait une soirée camerounaise. 100%. Voilà. Vous jouez mal, vous les DJ camerounais. Vous n'aviez même pas honte. Franchement. Et vous dites que vous êtes DJ camerounais. Dans les mariages, dès que on... Pendant que on mange, dans les cérémonies, c'est pendant qu'on mange qu'on nous met des belles mélodies du Cameroun. Après, on nous lance un petit chalot du panda. Après là, quand on prend la vitesse, tu entends seulement Nayo, Nayo, yo, Banalinga Kayo. Vraiment. Je vous mets au défi d'aller dans les fêtes des Congolais. Même dans un anniversaire qu'on fait à la maison, allez-y. Ou montez dans leur voiture ou allez dans leur restaurant. Si les Congolais se rendent même compte qu'il y a un étranger, on doit lui faire plaisir. Combien de Congolais le font? Mais vous êtes que tu ris quoi? Sandrine Atana, tu ris, tu peux me dire de quoi tu ris?
Tu ris quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-moi vite pourquoi tu ris. Je suis choquée, menteuse. Tu n'es pas choquée. Menteuse. Il faut aller dans les fêtes des Congolais. Ce sont même les Ivoiriens, même encore, je disais. J'ai dit que les Ivoiriens, je digère. Mais les Congolais, je ne digère pas. Parce qu'ils font exprès. Non seulement ils parlent d'abord en leur langue maternelle, après, ils mettent que leur musique. Le DJ camerounais, vous jouez mal. Le jour que moi, j'aurai le cabaret. Parce que il ne faut jamais dire que je n'aurai pas. Il faut toujours dire que j'aurai. Le jour que j'aurai une boîte de nuit, ça serait écrit 100% camerounais. Tu n'es pas d'accord, tu ne viens pas, c'est ton problème. 100% camerounais. Le DJ qui essaye, même à mon absence, de mettre une musique du Congo ou de la Côte d'Ivoire, je l'expédie comme un colis. C'est comme ça. Camerounaise, on va beaucoup regarder. Faites-nous les TikTok avec les musiques d'ailleurs du Cameroun, avec la Siko, avec le Makossa, avec le Bensikin. Il y a beaucoup de chanteurs Bensikin, du quoi. Il y a Gérard Ben, il y a Passy la Noblesse, il y a Benzinga, il y a Charlie Jones, il y a Périgord, et tous ces artistes-là chantent bien. Il y a Guy Watson. Il y a Guy Watson. C'est pas méchant. Il faut pas rire. Là, vous pouvez rire, mais il faut pas rire. Vous n'écoutez que les musiques d'ailleurs. C'est pas bon. Tu vois un connard, il te grâle, il vient là. Quand il veut te prouver, tu viens. Naïo, égal à vati. Naïo. Après, je dis que ne me mets pas mal à l'aise. Enlève ça. Enlève ça. Ne me mets pas mal à l'aise. Il faut d'abord aimer son pays. Voir que c'est compliqué. Mais aimer les musiques du Cameroun. Vous regardez, il y a comme ça, les musiques comme ça. Vous voyez? Qu'est-ce que ça m'a mis là? J'ai vraiment dit la vérité. Attendez. Moi, j'ai fini ma journée. Et vous? Vous avez fini la journée. Faut pas seulement oublier d'aller travailler. Hein. Joue. Thank you.
Avec toutes ces options sur booking.com, écrivez pas le voix sur la musique, s'il vous plaît, sinon on va couper le direct. Je n'ai pas déclaré les musiques, les mouzouks. S'il vous plaît, écrivez pas de voix sur la musique, sinon on va nous couper. S'il vous plaît, je vous en supplie.
Alors, à tous mes fans, vous voyez comment je suis joyeuse. Chaque instant de la vie est précieux. Chaque instant de la vie est précieux. Les problèmes quotidiens, on en a tous les jours. La santé vaut la peine et vaut mieux. Quand vous avez un petit moment de bonne santé, profitez de la vie. Malgré les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Les problèmes, on a ça tous les jours. Dès que tu sors du ventre, dès que ton père sperme ta mère, tes problèmes commencent. Dès que ton père sperme ta mère, les problèmes commencent. Les problèmes commencent dans le ventre. Parce que quand, pour vous les hommes et les femmes qui n'ont pas accouché, je suis désolée, vous savez, quand une femme tombe enceinte, il y en a, dès les premières semaines, elle est mal à l'aise, elle vomit, soit elle ne dort pas, elle a une odeur qui naît en elle. Ou soit, si elle n'a pas une odeur qui naît en elle, toute odeur l'énerve. Parfois, elle commence à détester le propriétaire de la grossesse ou elle déteste toutes les personnes dans la maison. Donc, à partir du moment où une femme tombe enceinte, le problème de l'enfant qui va naître commence. On a les problèmes sur terre tant que tu as envie, jusqu'au jour que tu vas mourir. La seule chose qui est meilleure, c'est la santé. Ayez le moral, mes gens, mes fans, quand je vous parle, c'est pour vous allez dire que toi, tu es toujours heureuse. Je ne suis pas une personne qui déprime. C'est pour cela, hier, je me suis moquée de lui, Charles. Je ne laisse pas quelqu'un déprimer autour de moi. Je ne laisse pas quelqu'un avoir les chagrins. Pas les chagrins sentimentaux. Hein. Les autres chagrins, quand on perd un être cher, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a bien le temps pour profiter de la vie. Profiter de la vie sans faire du mal. Ne restez pas malheureuse parce qu'un homme vous a quitté. Ne déprimez pas parce qu'une femme vous a quitté. Ne soyez pas mal. C'est vrai que si vous perdez le travail, ça peut vous déranger. Mais soyez positif. Il faut avoir l'esprit de positivité. Moi, quand je traverse même les périodes les plus difficiles, je reste positive. J'habitais chez ma grande sœur à l'époque, avant que je ne vienne en Europe. Et ma grande sœur là, elle m'avait surnommée Madame sans problème. Madame sans problème. Parce que même quand j'ai des problèmes, je ne me lamente pas. Tu ne vas pas voir de me tête mal à l'aise parce qu'elle a un problème. Parce que chaque problème a toujours une solution. Chaque problème a toujours une solution. Alors ne dormez pas mal la nuit parce que vous aviez un problème. Non, il y aura une solution à votre problème. Soyez positif. Quand tu es un enfant béni de Dieu, Dieu trouve toujours la solution sur tes problèmes. Voilà pourquoi je suis toujours joyeuse. Voilà. Bon, on va continuer à faire la fête. Est-ce que vous aviez écrit par le droit sur la musique? Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, la première qui écrit son... la chanson qui veut, je joue. La première ou le premier. Vous voulez que je vous fasse plaisir? Vous voulez écouter quelle chanson camerounaise? Et en passant, préparez vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser cet après-midi? Entre-temps, je souhaite une bonne semaine, que votre semaine soit excellente, qu'elle soit positive, fructueuse. Que Dieu vous accorde de l'amour, le pardon de vos péchés, la santé, surtout beaucoup d'argent et beaucoup d'amour. Vous qui êtes amoureux,
que vous recevez en retour de l'amour venant des gens que vous aimez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Que Dieu vous donne ce que vous désirez. Vous aviez compris où je dois répéter. Vous aviez compris. Tiens, 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 tiens. Attendez. Samchol, tu as le courage de venir écrire chez moi. Tu as le courage de venir écrire ici. Tu as déjà oublié. Quand tu as fait un mauvais commentaire sur moi, cette année, même pas l'année passée, cette année, ça me change la dimension. Tu es une fille noire, tu as un teint chocolat. Tu as fait un mauvais commentaire sur moi. Arrêtez de faire des mauvais commentaires sur des tierces personnes, sur des gens que vous ne connaissez pas. Moi, je vais vous dire, nous qui faisons les vidéos, on a une vie. Dans une vie, c'est une question, oui. Pourquoi tu as fait ça? Faut pas nier, hein. J'allais même te bloquer le jour-là, mais j'ai dit que je ne te bloque pas. Ça me change la dimension, c'est bien toi. J'allais te bloquer le jour-là. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui nous jugez, vous aviez tort. Vous qui nous jugez, vous qui nous suivez, vous aviez tort de mal nous juger. Moi, je prends l'exemple sur moi. Je suis une bonne personne dont vous ne pouvez pas avoir autour de vous. Je suis vrai, je suis sincère, j'ai un grand cœur. Je ne me vante pas. Je suis une bonne mère. Je suis même importante au sein de ma famille. Mais vous me jugez. Hey, Valérie, la fille qui insulte les gens, je n'ai pas l'étiquette d'insulter les gens. Qu'est-ce que quelqu'un me fait avant que je l'insulte? Posez-vous la question. Qu'est-ce que quelqu'un me fait avant que je l'insulte? Oh, quand vous me voyez avec un cœur, elle affiche les hommes. Vous savez que j'ai affiché Guy Watson, il m'a fait quoi? Il m'a fait quoi? Je n'affiche qu'un homme qui me manque le respect. Comme j'ai affiché le père fou. Le père fou a créé des faux profils. D'où il a affiché mes enfants et les numéros de mes enfants et moi-même. Je me suis révoltée, je l'ai caché. Avant de me juger, demandez pourquoi elle fait certaines choses. Moi, j'ai affiché le père fou parce qu'il a créé un faux profil. Il m'insultait avec mes enfants alors que mes enfants, il ne les a jamais vus. Donc, il y a aussi des gens... Elle m'a insulté, je t'ai insulté, tu m'as fait quoi? Chez nous, les petits, on dit un bébou, quand tu viens, tu me dis un mauvais mot, je ne veux pas te donner le lait, je te rembourse le mauvais mot. C'est comme ça, cette vie. Dans la vie, on nous apprend le respect, tu me respectes, je te respecte. Si vous ne voulez pas que les gens vous manquent le respect, ne leur manquez pas le respect. Si vous voulez que les gens... Ne vous méprisez pas, ne le méprisez pas. C'est comme ça la loi du talion. Tu me fais, je te fais. Donc, Samchol, je n'ai pas aimé ton commentaire vis-à-vis de moi. Toi et moi, nous n'avions pas de problème. Apprenez à respecter les tierces personnes qui ne vous font pas du mal. En plus, tu es une belle femme. Il y a des choses qu'une belle femme ne fait pas. Je suis désolée. Tu es une belle fille, mais ne fais plus ça. Non seulement tu es belle et tu es bonne. Tu as une bonne hygiène. Attention à côté, oh madame, c'est toujours la pista, monsieur Nanon. Dédicace à toutes les femmes, car la femme est la mère de l'humanité. La mère de l'humanité, elle mérite le respect pour l'attention, car c'est elle qui donne la vie. Oh. Chaque femme mérite le respect, peu importe son âge ou son rang social.
Ça va bien. Bonjour Black Star, le Sénalon. Dédicace à toutes les femmes, car la femme est la mère de l'humanité. Ingando, Annette de Valeur, la femme, la mère de l'humanité, elle mérite le respect pour l'attention, car c'est elle qui donne la vie. Oh. Si tu as l'argent, mon père, donne à ta maman. Si tu as les moyens, ma soeur, prends soin de ta maman. Elle t'a porté dans son sein pendant 9 mois. Et c'est elle qui t'a donné la vie, maman. Nouvelle la Catalana, une tango ou un bon soumala. Je me fais le moine, je m'abrite, 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 je Michel Convert, un tango de Wadbe. Maman, maman, c'est ma voix avant Mila. Aïe, 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 Compositeur au téléphone, je voulais qu'il m'explique lui-même les mots. Il me dit,
Yo 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 yo, enlevez les caleçons. Oh, oh. Le père de la police, Martin Barguengele, enlève ton caleçon. C'est ce qu'il m'a dit. Le goût de ça. Enlevez les caleçons. Donc, tous les Camerounais, enlevez vos caleçons, voire vos kikinettes. Vos kikinettes. On cherche là. Je veux faire plaisir à une fan. Elle m'a dit l'argent aux femmes. L'artiste s'appelle Blackie. Blackie Star, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dounyo. L'argent, si, hein? L'argent est bien. C'est Blackie Star qui est derrière comme ça. Hé, hey, maman, tout le monde a droit au bonheur. Hé, hey, ma bouche de Congo, ça, parce que quand on voit Dounyo, on sentait que le gars vient de loin. Angabanga na kill ayolo. Angabe ta brut Blackie Star. Je cherche la chanson là, c'est comment? Sors ta part, je sors ma part. Donner l'argent aux femmes, c'est où? Vous m'aviez dit donner l'argent aux femmes, je ne vois pas. Et qui est? Vous êtes sérieux? Blackie Star, attendez. Je suis désolée, je ne vois pas. Je ne vois pas. Attendez, je remets pour la dernière fois. Blackie Star, donner l'argent aux femmes. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui connaissent cette notion? Ce sont des gigolos ambulants. J'ai seulement vu ça. Comment régaler petits et grands à la maison? Découvrez au rayon frais les nouveaux gnocchis à poêler panzani, croustillants et légers pour régaler tous les gourmands. Des gnocchis, oui, mais des panzani. La chanson, monsieur, madame, Sergio Polo, et vous dites Clémentine. Je ne sais pas s'il y a une chanson de Clémentine. C'est, je crois que c'est Solentine. Eh, vraiment. Oh, c'est Solentine. C'est Solentine. Moi, je veux vous dire à l'époque, les chansons que nous on écoutait, quand on commençait à démarrer, quand on démarrait dehors, voilà les chansons. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Ça là. Dicalo,
Attendez, j'ai une question. Ça ne vous fait pas du bien d'écouter la musique camerounaise? Ça ne vous détend pas les nerfs? Ça ne vous dilate pas la chatte? La musique camerounaise est très meilleure. Quand tu écoutes la musique camerounaise, c'est comme si tu vas au paradis. Oh! Le séducteur Emmanuel Pega Motadema. Sinon, on va te tirer seulement les couilles. Tu dois nous jouer ça le 2 novembre. Sergio Polo, tu nous joues ça le 2 novembre. Tu es obligé de jouer ça le 2 novembre pour les anciennes Wolwos que nous sommes. Le mari de tout y est si fait.
Des questions et vous pouvez demander la chanson que vous voulez. Donc allez-y, j'ai déjà fait plaisir aux deux personnes qui ont demandé les chansons. Allez-y, la solitude n'est pas bien, et mettez la musique, vous dansez. Bon, moi je veux mettre une chanson que j'aime beaucoup. Voilà, je suis désolée mais je veux la mettre. Je veux mettre cette chanson. Je veux me faire moi-même plaisir. Vous voyez, vous ne dites même pas merci. Les gens qui demandent les chansons ne dites pas merci. Quand je veux devenir mauvaise là maintenant, vous allez dire que je suis mauvaise. De la fraîcheur, de la bonne humeur, de la demandez une dernière chanson. Allez, merci. Avec tant d'options sur booking.com, je peux incarner. Ça fait 6-7 ans qu'on se connaît. Un moyen de s'arranger. Bon courage pour le convaincre. Tu préfères King chez Burger King, c'est votre enfant qui choisit entre un cadeau pour lui ou un jeu 100% gagnant avec plus de 2 millions de cadeaux à gagner en ce moment dans les menus enfants. Burger King. Les vacances d'été, vous arriviez. Il est temps de les planifier. Profitez de nos vols des 34,99€. Elle en est.
magie. La magie. Oh! Amour, je vois la magie. Attendez, 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 attendez. Attendez, c'est très urgent. Oh. Aïe! Attendez. Parfait, parfait n'est pas là. Attendez. Professeur, cours d'anglais, cours de mathématiques, professeur complet, devine qui m'appelle. Devine un peu. Tu as tout. Je fais comment? J'ai pas décroché. Je fais comment? D'accord. Ok. Donc, je décroche. Ok, ça marche. D'accord. Et toi-même là-bas, ça va? D'accord, je vois que tu es en train de manger. Bon appétit. Je te rejoins. C'est le mari de ma copine qui m'appelle. Ils ont des problèmes. Et comme je vois qu'il m'appelle, je demande d'avoir l'autorisation à sa femme si je dois décrocher. Parce que vous savez, les problèmes me détestent. Le problème va où ma baie. J'évite les problèmes. Les problèmes me détestent. J'adore cette chanson. J'adore. Avec cette chanson, je fais du spiritisme. Mais j'invoque le Saint-Esprit. La différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme n'oublie jamais les pleurs d'une femme reste souvenir négatif. Comme si ça ne me sera comme ça. Je me souviens quand tu m'as conçu. Il y a quelqu'un qui a demandé une chanson, j'ai pas. Pendant des années, femme au foyer, ça j'ai assumé. Oh, j'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle. Bébé, oh, j'ai sacrifié ma vie pour ton avenir. Ton avenir, je croyais serait le mien. J'ai toujours été là. Mm-hmm.